pour le film, on va avoir comme personnage principal Michael Jackson. Fanny Ardant. C'est qui? J'ai pas aucune idée. Une fille. Quelqu'un. Alors, qui c'est? Je pense que peut-être c'est quelqu'un un peu bizarre. Je pense que c'est quelqu'un avec des tresses et avec toujours des robes très voyantes. C'est une femme plutôt, rebelle et dans le secteur féministe qui est très active et tout ça. Comme c'est Fanny Ardant, je pense qu'il est feignard peut-être. C'est un anacronyme de feignard. Feignard? Oui, Fanny Ardant, et pour ça. C'est une écrivaine, je sais pas. Elle a sûrement une frange et des cheveux lisses, avec une couette haute, tout le temps, et des cheveux bruns. Moi je pense juste que c'est une actrice, c'est tout. Fanny Ardant, l'actrice, se promène. Elle se fait enlever par les Vikings d'oie, machin. Après, il y a le César qui lui dit qu'elle doit se faire tuer pour revenir dans son monde. Fanny, tu es coincée dans cette autre dimension. Pour revenir chez toi, il y a une solution. Tu dois mourir pour ensuite renaître dans ta dimension. Fanny décide d'énerver les extraterrestres en les insultant. Elle espère qu'ils vont la tuer. Elle cherche l'insulte qui va toucher leur point sensible. Fanny a réussi. Elle est morte. Elle renaît dans la dimension sauvage. Elle est transformée en puma. Elle cuisine un muffin. En fait, c'est Fanny Ardant qui veut lui donner le muffin. Et du coup, vu qu'elle lui donne pas à la fin, bah il la fait mal. Et il la tue. Fanny est morte. Elle renaît dans la dimension des falaises. Fanny est un muffin. Après, le coco, il prend un œuf, et là, c'est Fanny Ardant. Fanny Ardant renaît enfin dans notre dimension. Elle a réussi, mais Fanny Ardant a maintenant une bouteille de liquide vaisselle. Ok, on a un film. Oui, mais si elle saute d'une fusée, elle meurt un peu, non? C'est vrai. Ok.